Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le 15 juillet, il est 21h je pense 30. Et on se retrouve pour un peu, on se retrouve dans mon antre en fait. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pété mon trépied du téléphone. Bon, ça c'est pas très grave encore. C'est chier mais c'est pas très grave. Donc je voulais quand même vous montrer que il y a encore beaucoup à faire. Mais malgré tout, on se tourne dans le garage. Je vous montre. Ouais, ben voilà la chaudière. Voilà, bon, il y a encore à faire. Et ma pièce, donc. Voilà, alors. Je peux déjà enlever. Mais en fait, il est vide. Alors. J'ai commencé à mettre des trucs là-haut, mais ça restera pas comme ça. Là j'ai mis mes papiers 30-30 qui étaient à la bade un peu et puis j'ai surtout jeté des morceaux de carton, des trucs que je me suis dit que en fait moi avec le boulot je peux en avoir tout le temps quand même, donc bon tranquille hein, il faut savoir se raisonner. Donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà triées, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte qui étaient triées dans des boîtes différentes, les boîtes ne sont pas pleines. Donc, comment vous dire que ça prend de la place, du coup, peut-être rien. Il y a trois boîtes d'un truc, hein, vous voyez. Donc, je me suis dit que j'avais sorti les coquillages, un peu les perles, tout ça, machin, patacouf. Hein. Les perles, la caisse que j'ai sortie n'est pas triée du tout. Donc, ça va être la caisse à trier, mais plus tard. Là, tout ce que, à chaque fois que je vais, par exemple, trouver des perles à la bade ou quoi, qui ne sont pas triées, boum, dans cette caisse. Voilà, comme ça, au moins, c'est... voilà. Et puis, j'ai sorti les coquillages. Donc, je sais que j'ai d'autres boîtes et je suis quasiment en train de qu'elles ne sont pas pleines. Celle-ci n'est pas pleine non plus. Et puis, tous les petits espèces d'embellissements plats derrière, tout ça. Je me dis que ça, voilà. Après, j'ai aussi à portée de main la caisse de tampons, deux caisses même de tampons. Elles sont pleines par contre, les deux, je crois. Bref, voilà, le but étant de, tant qu'à faire, réduire les boîtes. Et puis, surtout, bah, s'il y a des choses à jeter, on jette. Donc, commençons par le commencement, je vais dire. Pas vraiment, en fait, je vais là où je sais. Un peu facile, on dirait. Oui, c'est vrai. J'avoue. Mais, voilà. C'est une boule de Kiki de neuf, je peux pas jeter ça. On est bien d'accord. Hein. C'est un de ses premiers trucs qu'il a fait. Alors, j'ai une Dremel. J'ai un pinceau et un ciseau. Et du coquillage, justement. C'est magnifique. Donc, je vais chercher ma caisse à coquillage. Tout de suite, comme ça, voilà. Donc. Et ouais, hop. Parce que ça, que je sais aussi, plus ou moins, que j'en ai un petit peu de partout du coquillage. Donc, bon. Caisse à coquillage. C'est des gros, donc je vais pas les faire tomber comme ça. Vraiment de toute forme, toute taille, il y en a des achetés, il y en a des pas achetés, il y en a beaucoup des que j'ai pas acheté quand même. Et j'ai même des fossiles, ils sont fossilisés, il y en a carrément. J'ai vraiment de quoi faire. J'avais dit que je faisais un truc en même temps que je faisais ça. Mais si je fais ça, ça va pas m'aider dans le temps, ça. Je referai peut-être par la suite mon idée parce que là, ça va pas me faire avancer. Tiens, ça c'est presque vide. C'est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ce que je vide dedans. Puis
quand je viens, j'en vais chercher une boîte. Sachant que j'ai déjà des sacs de bois vivant, parce que j'ai quand même fait. On n'a pas l'impression comme ça, mais si, si. Si, si, si. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, par exemple, là. Non. Alors. Perles là. Ok, alors ça non. Alors, là-dedans, j'ai un truc de perles, de lettres. C'est trié ça. Donc, je vais venir la mettre par là. J'ai déjà plein de boîtes de perles ici, triées, rangées, tout ça. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Des bijoux. Ok. Pourquoi je vais y mettre ça en attendant là? Voilà quoi, voyez. Bon, je vite pour. Ouais, c'est un peu mieux là. Ça, c'est des petites guirlandes de gnomes de la Noël. La Noël, j'ai des sacs et tout là-bas. Ah, j'ai de la pâte fimo, toute neuve, de la dentelle, de la ficelle. Alors ça, poubelle, ça c'est de la. Alors, j'ai une boîte pour tout ce qui est petite cordelette et tout là. C'est quoi ça? C'est une robe. Poubelle, hop. Alors là, je suis en train de me rendre compte quand même. Bon, il y a du ruban. Il y a aussi juste, il y a pas mal de pâte à fimo et tout ça. Okay. Là, il y a un ruban encore. Un ruban. La colle du ruban. Du double face. Ah, mon machin là tient très bien. Des scotch, du ruban, ça poubelle, c'est un morceau de ferraille. Du ruban. Je viens de trouver tout ça de ruban. De cordelettes et de ce qu'on. Des nœuds papillons. Avec ça pour l'instant. La ficelle, de la fimo, du ruban, truc pour la couture, un truc de la Noël, des mousselines, ok, ruban encore là, bon. Ah, il y a du. Non, c'est pas fini en fait. Un bracelet que j'avais fait moi. Il est super joli, je crois. Et bien, je vous en. Bien l'offrir, tiens. Oups. Des petits morceaux de bois. Mes rubans. Ah, mais en fait, ils sont pas si loin que ça. Alors, attendez. On va voir le système, là. À la base, là. Très bien, bam. Attraper la boîte à ruban. Elle est comme ça, la boîte à ruban. Elle est énorme. Mais j'en ai de partout qui n'est pas rangée. Donc, elle n'est pas pleine, mais on va pas en être loin. Il y a aussi de la corde, vous voyez.
Ça, c'est ce que j'ai eu avant encore. Pourquoi j'y mets avec mes rubans? Je sais pas. Là, je vais y mettre là-dedans. C'est sûr, les petits bouts comme ça, là. Parce que je peux pas non plus. J'ai dit que je me fixais maxi une heure, là. J'avoue. Parce que, voilà. C'est comme ça, je. C'est comme ça. Hop, ça là. Et hop. Un truc de moins. Ça, je vais mettre un petit. Tac, tac. Tac. Merde. Hop. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bon, il y a un sac quand même. Sac dans la corbeille. C'est que vous voyez les cartons dans les cartons, les sacs dans les sacs. Il y a du ruban là. Il y a plein de trucs là-dedans. C'est beau, ça. Bon, il y a un ruban, deux rubans. Alors. Il y a un compas. Du ruban. Un ballon, des washi. Ah putain, ruban. Là, j'ai un washi qui est en train de se dérouler clairement. Hop. Je suis pas sûre que c'est un vrai washi, je crois que c'est un truc pour les ongles. Ah, j'en sais rien. De toute façon, on peut quand même s'en servir, faut juste coller. Mais remettre un peu de colle parce que sinon c'est la blase. Ah mais ça me colle. Ça colle pas sur le papier puis ça colle là. Quoi. J'adore ça. Oh, tiens, il y en a un paquet là. Oh. Hop. Ah oui, il y en a quand même un peu, hein. Ensuite, j'ai une boîte à washi, je ne sais pas. Ça va être tout là-bas. Que je prendrais pas une boîte pour les mettre là, puis après je les retransvase. Bah, que ça c'est quand même rangé, je pense. Je vais mettre là-dedans et je retransvaserai dans mon autre boîte. Tac, on continue. Boum. Alors, ça, j'ai des petits trucs comme ça. Je vais pas y laisser là. Je sais pas où je vais y mettre. I don't know. Normalement, j'ai le petit tiroir qui est fait là-bas. Donc, ça, bah, je vais y mettre là. Tant pis. C'est le problème, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a les gens où j'ai des tampons, c'est des tampons de Noël et en bois. Ils sont comme ça. Il y a un sapin, un ou une botte, un cadeau, un Noël, une cloche. Donc, ben, boîte à tampons. J'ai vu que je l'avais. Ça doit pouvoir encore rentrer dedans. C'est bien sûr en bois, donc c'est nickel. Et là, il n'y a pas tout qui est en bois. Ça, non. Ça non plus. Ça non plus. Et ça, tout ça non plus. Là, tout ça. Ah, ça, non. Et ça non plus. Voilà. Tac. Voilà, ils sont dedans. Boum. Voilà. Du coup, dans cette boîte, dans ce panier, il ne me reste plus que. Je ne vais pas la foutre là non plus. Que mes pâtes Fimo et puis pâtes auto-durcissantes. C'est très bien. Ça serait sûrement mieux dans une boîte, je pense, fermée ça. Mais bon. On va voir au fur et à mesure que j'avance, qu'on peut faire ou pas. Ensuite, ce qui est là, ça c'est trié. Là. Merde. C'est pas trié, c'est. J'ai les perles en dessous là. Est-ce qu'il y a que des perles qui sont là? Je suis pas certaine. Est-ce qu'il y a encore du coquillage? Je ne sais quoi.
c'est les paillettes. Enfin, c'est les. C'est pas des paillettes, c'est des merdes qu'on s'appelle. Oh, j'ai bouffé le mot. Sans déconner, quoi. Oh, des sautas. J'ai plein de sautas, elles sont toutes triées, celles-là. Dans mon placard là. Là. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? D'accord, des petits trucs, des petits pots. Avec des petits cailloux, des petits machins, des trucs. Ok. Ok, ok. Donc ça, pour l'instant, je vais laisser par là parce que je sais pas trop ce que j'ai envie d'en faire. C'est quoi là-dedans? Je sais pas, je ne vois pas. Ah oui, d'accord, c'est des petits pots. Ok, donc ça, ça. Restez là pour l'instant. Ok. Tu vois. Tiens, moi, j'ai des caisses. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'elles sont vidasses. Hop. Bon, eh bien, on va continuer par là. Là, j'ai des tampons. Hop. Je vais venir les mettre. Là, voilà. Hop. Ensuite, je ne sais pas par où. Allez, qu'on fasse un peu de place par là surtout. Hop. Alors, j'ai pris au pif ce sac-là. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, comme ça. Bon, s'il y a des trucs à jeter. Bon, j'ai encore des trucs de la Noël. Une pochette comme ça, on n'en jette pas. Là, j'ai un truc vide. Si mon clou de tiroir, je ne sais pas où il est. Ouais, il doit être là. Hein. En gros. Voilà quoi. Ah oui, alors ça. Non. Ça. Hop, c'est des photos. Et une petite carte à Kiki. Ça n'a rien à foutre ici. Hop. On va mettre là pour l'instant comme ça. Hop. Ensuite, il y a du vernis-colle. Une boîte d'ACC à moi là. Les ACC que j'ai fait, je crois que je les avais pas en tuto d'ailleurs même. Putain, mais déjà 10 minutes, j'ai rien fait. Ouais, je vais les mettre de côté. Je trouve un truc pour les ranger comme il faut, tout ça. Un système. Tac. Je vais les laisser là. Pour l'instant. Ensuite. Ah, il y a une de mes boîtes à chute. Ah ouais, je sais même pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais m'y remettre dans la grosse. Après, c'est bien pour les vraiment petits, quoi. Puis ça sera à retrier. Pour l'instant, pour moi, le mieux, c'est de faire ça. Quand ça sera plus que des chutes de papier à trier ou des perles à remettre, enfin, ça sera énorme déjà. J'ai envie de vous dire, vous saviez tout ce que j'ai jeté, on n'a pas l'impression, mais j'ai quand même fait deux voyages avec mon père à la déchetterie. On a fait un tout seul, j'en ai fait un aux poubelles, juste de merdouillerie à jeter comme ça. Hein. Je sais pas, j'ai dû en faire au moins 5-6. Bref. Bon, il n'y avait pas que des trucs que moi j'avais gardé. Hein. Il y avait encore des trucs à ma grand-mère et tout le bordel. Hein. Donc, bon, pas rigoler quoi. Des plaques de stickers. Alors, je vais les mettre à part. Et puis, comme ça, je viendrai les ranger dans les pochettes. Hein. Merde. Je me suis lisée. Pop, pop, pop.
ruban. Des perles, elles sont triées, mais elles sont pas en boîte, donc elles iront quand même là-bas. Mais dans leur sachet, comme ça, quand je ferai le tri des perles, ben ceux-là, elles sont déjà dans leur sachet, quoi. Voilà. Alors là, des trucs en bois, des découpes, de la chute. C'est du papier sur ça. Ah, il y a la boîte à compas. Normalement, il n'y a plus compas dedans, mais c'est une boîte à compas. Non, mais après, je vais la chercher partout. Ça, normalement. Elle n'a plus de jus, mais ça, normalement, c'est la petite lumière qui va là-dessus. Alors, attends, est-ce que je vais faire la vidéo? Ça, un sac de vide. Une place en bas dans mon placard, j'ai un très grand sac pour mettre tous les sacs dedans. Je les roule, je les plie, comme ça, ça prend pas trop de place. Et ensuite, là, j'ai une boîte vitrée N par terre. Tac, j'ai ça qui est vide. Les choses, mais les choses, je dis, je vais pas les laisser là. Et une boîte vide. Putain, mais quel con. Et je vous jure. Du vrai caca dans les dos. Oh, hop là. Ben, il m'en manque un là. Il y a les où? Et ça, je le vois pas. Ben, il doit déjà manquer à l'appel, à mon avis. Les feux, je ne vais pas les laisser de ce côté parce qu'il fait beaucoup plus chaud que là, de ce côté-là. Sauf que là, je n'aurai pas encore plus de place. Donc, bon. Hop, je vais mettre là. Hop. Et. Hop. En attendant. Parce que je ne veux vraiment pas qu'il soit de l'autre côté. Dans ce sac que ouais, c'est vrai que vous voyez pas grand chose en fait. C'est pas comme quand je me mets là-bas et puis en plus vu que le trépied est pété, j'ai qu'une peur, c'est que voilà. Que passa, señora? Voilà, voilà pourquoi c'est la caca. La caca, la caca merde. Voilà, il y a ça, ces fleurs-là. Après, elles sont petites, ceux-là. Ou alors, il ne faut pas que je les enlève de leur truc. Et ceux-là, qui peuvent aller dans la boîte que j'ai là. Là, j'en ai aussi une en feutrine qui était dans le sac que j'ai vidé tout à l'heure. Tac. Je vais venir les mettre là. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, j'en ai en bois.
Oui, des colorisés, des non colorisés. Mes trucs en bois, ils sont par là-bas. J'en ai là, donc je vais les mettre là. J'en ai aussi là-dedans. Ça, c'est un truc quatrième, mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs en bois là-dedans. Donc voilà. Donc des washi que j'ai dit qu'en attendant je vais les mettre là. Merde! C'est ça que je me sers pas mal en plus. Grave. Hop, les ficelles dans ce sac. Voilà. Ça, poubelle. C'est des petites merdes, des petites pommes de pain qui sont éclatées, tout ça. Hop! Les pochettes, vous savez, pochettes comme je vous ai montré juste avant, là, c'est des pochettes comme ça. Ça, je vais les mettre avec les boîtes vides. Là, j'ai des petites découpes, des petits machins qui ont dû se refiler, que j'avais pas fait gaffe, que je vais venir mettre là, comme ça, voilà. Hop. Se prendre maintenant. Qu'est-ce qu'on se prend? Un truc qui n'est pas forcément trié, parce que sinon ça ne sert à rien. Il y en a plein, des trucs pas triés, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y aurait que des solutions. Nous aurons tant de. Alors, par là peut-être alors. Non, parce qu'il y en a tellement de partout. Pourtant, j'en ai quand même enlevé déjà pas mal. Je vais le mettre là en attendant. Bon, en fait, j'ai vu des trucs. Je ne vois plus. C'est quand même un truc. Bref. Donc ça, il y a juste ça qui a rien à foutre là, normalement. Ah si, puis il y a d'autres choses. Bon. Là-dedans, j'avais mis toutes mes petites boîtes de stickers que j'avais plus ou moins triées. Donc, je ne vais pas y défaire. Hein. Mais je me dis quand même, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Mais bon. Puis, j'en ai quand même aussi qui ne sont pas triés. Enfin, qui sont pas rangés. Ah oui, puis il y a des petits... Oh là là. Ok. Ouais, alors là, il faut vraiment que je m'affole quand même, je pense. Là, il y a du washi que je vais me mettre là. Voilà, c'est le washi encore là. Je vais pouvoir changer la boîte. Ou alors aller chercher l'autre pour que je la vide dedans. Quoi, parce que sinon... Parce que là, en fait, j'ai des papiers aussi. Je suis en train de me rendre compte de cela. Entendu. Ah merde. Il y a des papiers là-dedans.
du ruban, bon, c'est tout petit. Ça, ok, à la rigueur, pourquoi pas, mais ça. Non, mais c'est là que je me dis. Pourquoi je. Voilà, Corrida. Les fraises, tagada, dada. Corrida. Mettre la deux secondes, ça. Bien, il descend d'en bas après pour faire deux, trois trucs là-bas. Pousse-toi, petit cat, parce que si je fais marche dessus, tu vas chouiner après. Comme la chouinance. Tac. Hop. Elle m'agace, je vais lui marcher dessus là. Bouge! Je vais me casser un truc, tu vois, plutôt. Tout ça pour l'esquiver. J'ai un petit truc en bois comme ça. Je vais mettre là. J'ai un petit truc comme ça. Ça en vert, c'est un petit poisson dedans. Ça, c'est un truc en bois. Ça, vous savez, c'est un peu comme je me suis servi pour faire coller sur les poissons et tout. Là, il y a du washi. Ah, et puis là, il y a des petits tickets. Là, il y a des trucs qui épinglent la nourrice. Là, ça, ça descend très en bas. Ça sera tout aussi simple. Là-dedans, j'ai des tests qui ont foiré. Ça, c'est moche. Et ça, c'est des petites roses. J'ai une boîte. Et ça, c'est une capsule que je garde. Puisque pour la table. Tac, tac, tac. J'ai une boîte de ça. Je me retrouve avec un petit pot en verre vide. Je ne sais pas de le tuer. De ne pas le tuer. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Tout. Qu'est-ce que j'ai encore? Question de merde. Je vais prendre ça. On n'a pas vu ça, pote. Ça, non, c'est des découpes stickers, ça, non, ouais. Donc ça, hop. Ça, non, c'est censé du coup aller dans les chutes, hein. C'est découpé, machin. Ça, c'est un début de quelque chose. Je voulais ce panier là. Putain. Je voulais ce gros panier qui prend beaucoup de place et que je ne sais plus ce qu'il y a. Dedans. Hop. Tac. Alors. Chute. Ça c'est. Je vais mettre où j'ai. Est-ce que j'ai mis les autres trucs là? Où le truc que je dis, je vais peut-être bien descendre en bas. Ah oui, ok. Ensuite, j'ai un truc comme ça, mais ça, je ne m'en séparerai pas. C'était donc à la maman de ma copine, à Montcuzel. Voilà, je les garde en souvenir, il est pyrogravé. Je viendrai sûrement faire quelque chose avec. Quoi exactement, je ne sais pas encore. Mais voilà. Pour moi, c'est pas des trucs à jeter, ça. Ensuite. Des rubans. Donc, je boîte à ruban. Tac, tac. Elle est juste en dessous de nous. Oh. Là-dedans, j'ai quoi? Ouais, j'ai
du caillou. On croirait que la chienne elle joue avec le caillou. Non mais c'est même pas à moi, ça c'est à ma grand-mère. Hein. D'accord, on se détend du slibard. Encore un caillou. C'est des cailloux troués. Je vais vous les montrer quand même, parce qu'en fait, c'est pas des cailloux tout simples, voilà. C'est des cailloux à trouer en plus qui traversent. C'est pour voir le petit peuple, ça, normalement. Pour ceux qui n'ont pas peur. Un quartz. Ouais, c'est mélangé, donc des coquillages. Des cailloux. Un peu de tout. Donc je me suis dit que les coquillages, en gros, tant que j'ai de la place dans cette boîte, bah, en avant gagnant. Puis quand il n'y aura plus de place, bah, je sais pas. Après, j'ai dans l'optique de faire un truc. Je peux pas faire tout en même temps. Et puis je vais pas non plus. Comment dire, pas tout. Parce que je veux faire des envois plaisir, mais je veux pas. Tout vous envoyer d'un coup. Parce que je vais y étaler un peu. Parce que je prévois d'en envoyer quand même pas mal à certaines qui m'ont bien pourri gâté. Donc voilà. Mais moi j'aime bien. Je suis assez comme ça, j'aime bien étaler quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça laisse le jeu aux personnes le temps de découvrir. Ben voilà. Selon ce qu'elles auront reçu, de se servir du matos quoi, de truc avant d'en recevoir. Bon, après c'est plus que des cailloux dans ce sac là. Hop, donc je vais les remettre dedans et tout trouver le sac. Je vais peut-être en prendre une autre, et je vais venir là sur le... pas très loin, il y a 4 secondes 30, oui là. Ce que je vais faire, c'est de faire ça. Comme ça. Tac. Ça, ça soit un sac dans un sac. En plus, le sac, il est tout chat. Donc, mon papa m'a dit de ne pas faire trop de sentiments. Par contre, je ne sais pas pourquoi, là, les cailloux, je ne vais pas les balancer. C'est mort, mort et mort. Tant pis. Au coup. Je sais où il passe, je sais plus quoi, je sais pas, c'est vraiment les siens. Ceux de Charlie. Ça se peut, il y a du fossile aussi. Je ne sais pas. Hop, ça, voilà. Ça va, c'est pas. Trop abusé. C'est pas trop abusé. Ensuite, j'ai quoi? Putain, une carte. Des pinceaux. Ah. Alors, là-dedans, j'ai quoi? Un ruban. Donc, boîte à ruban. Et j'ai tout un tas de pâtes filmo. Pâtes filmo, là. Hop. Et du coup, ça me fait un petit truc comme ça. Vide. Tac, tac, du fil de fer. Ça me fait quand même chier de mettre avec le ruban, quoi. Enfin, c'est du fil comme ça, vous voyez. C'est pas censé avec le ruban, mais là, pour le coup, tant pis. Si on va faire comme ça. Ça là et ça c'était là qui fait la grand-mère du dev. Ouais. Donc hop, je vais mettre là. Je sais pas ce qu'elle fout là d'ailleurs elle. Ouais, passons. Ah, du fil, du tampon. Un truc massacré que j'avais fait. Du stickers là. Des trucs que j'ai fait, ok. Ok. Comme ça, faut que j'ai mis ça. Ça serait quand même mieux. Un morceau
de l'eau. Ça va avec les fleurs, ça. Plutôt. Plutôt. La bousille est plein de mousse que les fleuristes ils se servent. Comment ? Que les fleuristes se servent pour faire les bouquets, les trucs, machin. Bref, passons. Ah, il y a du bazar encore un peu, hein, j'avoue. Ah non, ça y est. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Car ça va faire déjà une vidéo assez longue. J'aurais bien voulu acheter plus avec vous quand même. On va s'arrêter là. Je voulais quand même vous montrer que si on peut quand même marcher dans mon... ça a quand même changé par rapport à avant. Donc oui, il y en a encore, c'est sûr. Mais moi, je suis quand même contente parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Même si on ne peut pas encore bien se rendre compte. Je pense que d'ici la fin de semaine, les vidéos, ça sera là, après. Parce que je peux ouvrir ma fenêtre. Ça sera normalement... tout bien rangé, bouclé, plié ici en tout cas j'espère, normalement sur le plan. Et puis voilà, pour vous rendre compte un petit peu. Donc, hop. Là, mine de rien, j'ai quand même vidé des trucs. En fait, j'ai pas jeté grand chose, j'ai plus regroupé que jeté, vous voyez. Après, forcément ici je commence à avoir de moins en moins embêté. Je pense que la prochaine fois qu'on fait un truc tri rangement, ça sera, on fera le coffre à jouets qui était à ma soeur quand elle était petite. Enfin, nous deux même, on va dire, mais plus à ma soeur quand même. On fera le tri de ça. Et je pense que là, il y aura un objectif à atteindre. Ça sera quand même pas mal. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et surtout ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao! YouTube, on est. Je voulais juste, j'avais fini la vidéo, mais je voulais juste quand même vous reprendre. Parce que je pense que vous avez dû dire, mais elle se fout de notre gueule. Puisque depuis quelques jours, je vous dis, oui, je m'occupe de mon atelier, machin. Puis là, je vous fais la vidéo, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. J'ai quand même, voilà, trié tout ça. Et je t'ai dit, enfin voilà, je n'ai pas, là, la vidéo qu'on a fait, c'est vrai que je n'ai pas acheté grand chose. Vous n'avez pas l'impression que j'ai fait grand-chose. Mais si, moi, depuis les jours, quelques jours où je vous dis que je fais du tri et que voilà, j'ai vidé tout ça. Quand même. Tout ça, vous voyez.
D'accord. Il y a tout ce qu'il y a là-dedans, y compris la grosse boîte, finalement, c'est vide. Voilà. Je tenais quand même à ce que vous sachiez, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je me fous de votre gueule. Bon, c'est pas du tout le cas, hein, je vois aucun intérêt. Donc voilà, après je vous remonte comme ça vite fait. Donc il y a là-haut, c'est pas comme ça que j'y veux, mais pour l'instant c'est comme ça. Ça, c'est tout des choses à trier. Et oui, là en gros c'est quasiment trié tout. C'est les breloques et puis les perles, et puis on est dans le meuble là-bas. Et puis on a là où ça en fait c'est trié, ça là. Là, pardon, tout ce qu'il y a là, c'est trié. C'est juste qu'il faut que je m'organise pour savoir comment je vais y ranger. Le premier étage, tout là, tout ça, c'est trié. Là, les boîtes, c'est trié. La boîte qu'il y a là-haut, normalement, c'est trié. Et après, j'aurai tout ça à venir... comment ? Trier et voir ce que je garde ou pas. Toute la partie là-haut, voilà. Donc, quand même, je vous montre au sol, hein, voilà. On commence à voir plus clair, c'est certain. Voilà. Il y a encore du taf. J'aimerais bien, franchement, d'ici la fin de semaine, que ça soit quand même fini. Donc là, c'est vrai que demain, je vais pas trop pouvoir parce que on détapisse. Mercredi, je sais pas trop ce que je ferai. Jeudi, on peint. Puis bon, après, voilà quoi. On continue comme ça, vitam aeternam, hein, plus ou moins. Et on a encore aussi le sol que j'avais acheté qu'il faudrait qu'on pose, malgré que ça a l'air de les faire chier. Il va bien falloir qu'on y pense, hein, malgré tout. Donc voilà. Bon, en gros, ça avance quand même. Là, c'est tous des trucs à trier que je vais retrier. J'en ai déjà à trier pas mal, j'en ai jeté pas mal, mais comme voilà... Hein. Il y a encore du taf. Mais franchement, moi, je commence à voir plus clair et à me dire que c'est pas si mal. Voilà. Je voulais juste rajouter ça à la petite vidéo. Et puis là, je vais aller tout bonnement emmener dans mon coffre de la bagnole ce que je jette. Ce que j'ai jeté. Parce que j'ai retrouvé un morceau de manche à balai foutu. Des bouts de carton, des machins. Ça m'a finalement rempli le seau. Et puis, j'ai éclaté deux pots de verre. Voilà, donc du coup, ça m'a fait le saut. Voilà. Donc, oui, il y a encore du taf, certes. Je l'entends. Je l'entends bien, bien, bien. Mais moi, dans ma tête, malgré tout, j'avance. Et c'est pas si mal. Voilà, sur ce, bonne nuitée à vous tous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao !